La vice-présidente américaine Kamala Harris, le chef de l'ONU Antonio Guterres ou la première ministre italienne Giorgia Meloni. Une liste non exhaustive des hauts responsables présents ou attendus à Londres pour le sommet sur les risques de l'intelligence artificielle. Outre les dirigeants politiques, des experts et des géants de la tech sont également présents, comme le milliardaire Elon Musk. Nous ne sommes pas plus forts ou plus rapides que les autres créatures, mais nous sommes plus intelligents. Et nous voici pour la première fois dans l'histoire de l'humanité face à quelque chose qui sera bien plus intelligent que nous. Il n'est donc pas certain que nous puissions contrôler une telle chose. Mais je pense que nous pouvons aspirer à la guider dans un sens qui soit bénéfique pour l'humanité. Je pense que c'est l'un des risques existentiels auxquels nous sommes confrontés et que c'est potentiellement le plus urgent. Tout l'enjeu aujourd'hui est de réussir à encadrer le développement de l'intelligence artificielle sans empêcher son innovation. Ces technologies suscitent de l'espoir pour la médecine ou l'éducation, par exemple, mais elles sont aussi source de crainte car elles peuvent échapper au contrôle des humains.